La première chose à faire est de préparer notre dorade. C'est un poisson entier assez épais, donc il faut absolument faire quelques entailles. On fait trois entailles de chaque, dans le sens du poisson. On a fait chauffer pendant quelques minutes les champignons shiitake séchés, histoire de les réhydrater dans de l'eau chaude. On va les laisser refroidir à présent, avant de les découper. On en arrive à la constitution de la sauce piquante, avec dans un filet d'huile, quelques lardons. On a pris des lardons fumés, de manière à avoir un peu plus de goût. Ça représente à peu près la taille d'une tranche de poitrine. Des lardons qu'on fait rissoler dans un filet d'huile. Une fois que c'est bien revenu, on va, après cette petite coloration, ajouter notre mélange, oignon et gingembre râpé. On voit que le mélange gingembre-oignon est bien revenu. On y ajoute les shiitake. Et ensuite le reste des ingrédients, à commencer par la sauce tomate, c'est du moins du coulis de tomate. L'inévitable sauce de poisson, vous en doutez bien. On continue avec les autres ingrédients. Du sucre, toujours pour vaincre l'acidité. Une cuillère à café. Du poivre. On est de grands amoureux de poivre. La sauce sriracha. Donc c'est assez pimenté. Vous assaisonnez selon votre goût. Moi j'en mets personnellement 2, voire 3 cuillères à soupe pour avoir quelque chose d'assez pimenté. Du vin, c'est le fameux vin de riz, du vin de céréales de la région de Shaoxing. 2 cuillères à soupe. Et on mélange le tout. Avant de faire cuire le poisson, on va le préparer. On va légèrement le saler et le fariner. On va faire frire le poisson. On va retourner le poisson, c'est toujours une étape un peu délicate. Donc on peut compter à peu près 4 minutes pour un poisson de cette grosseur, 4 minutes sur chaque face. Hop. Le poisson est cuit, on va le laisser reposer sur du papier absorbant à cause de l'huile. C'est l'étape finale de notre plat, la dorade à la sauce piquante. Une fois que la sauce est réchauffée, on va pouvoir napper notre poisson. Bon appétit !